Il sait qu'est-ce que l'amour apporte. L'amour apporte la paix. L'amour apporte la joie. L'amour apporte le bonheur. L'amour apporte la bénédiction. L'amour apporte l'équilibre. L'amour apporte tout ce qui est de beau et de bien. Et une femme qui se retrouve avec un homme qui l'aime vraiment. Posez-vous juste la question. Si c'était votre propre enfant, vous allez faire ça. Votre enfant. Salut tout le monde et merci encore une fois de nous donner de votre temps. Merci de nous accepter encore chez vous. Ici pour vous, Inès Kandé sur Estrella, qu'en dites-vous? Aujourd'hui, le 8 janvier 2019, une semaine déjà. Et j'espère que tout va déjà très bien pour vous. J'espère que cette année s'annonce déjà très bien. Et encore une fois, nous voulons le meilleur de Strella Foundation. Alors aujourd'hui, mes chères sœurs, mes chers frères, nous allons continuer la deuxième partie de ce dont nous avons commencé la semaine passée. Nous avons parlé de la famille. Notre sujet, c'était la famille. Et nous avons dit que vu que c'était un sujet vraiment très vaste, nous allons essayer de décortiquer cela petit à petit. Le temps pour nous d'essayer un peu de brosser les aspects que nous jugeons importants et ces aspects qui affectent d'une manière ou d'une autre notre société, qui affectent d'une manière ou d'une autre notre compassion, puisque c'est à cause de ces, nous avons même dit, nous avons parlé de cela la fois dernière, la famille est une de nos valeurs, une de nos grandes valeurs, une de nos importantes valeurs. Alors nous savons l'importance de la famille. Nous en avons parlé même l'autre fois et nous avons essayé de parler de cela par rapport à notre constitution, par rapport à la Bible, par rapport à notre maître qui est notre Seigneur et notre Dieu. Qu'est-ce que lui pense de la famille pour essayer de ressortir un peu l'importance de ces noyaux que nous appelons la famille. Ces noyaux qui déterminent notre personne aujourd'hui. Ces noyaux qui déterminent la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Alors, nous avons parlé des différentes ruptures. Nous avons parlé de l'intervention maléfique du diable pour détruire la famille, pour empêcher la famille de vivre selon le plan de Dieu. Vu que le diable sache ça, il le sait très bien. Il le sait très bien, le diable sait que la famille vivant dans le plan ou vivant selon le plan de Dieu, c'est une famille bénie et une famille équilibrée. Une seule famille bénie égale un monde béni et une seule famille équilibrée égale un monde équilibré. Parce que si chaque famille se met à vivre selon le plan de Dieu, nous croyons selon les saintes écritures que ce monde sera un monde béni et un monde équilibré, ce qui est contre la volonté du diable puisque sa mission est juste de détruire. Alors, puisque nous ne voulons pas laisser ce diable détruire la société dans laquelle nous nous trouvons, nous empêcher de vivre le bonheur que notre Dieu a voulu pour nous, nous allons d'une manière ou d'une autre apporter notre connaissance, apporter ce que nous pensons bien pour que la société essaye de s'adapter et essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons vivre une société quand même viable, s'il faut le dire. Alors, pour ne pas trop traîner sur ce qu'on a déjà dit la fois dernière, nous avons parlé des différentes ruptures que a connu la famille. La première rupture de l'homme avec son Dieu. Deuxième, la femme et l'homme. Troisième rupture, l'homme et ses enfants. Et voilà ces différentes ruptures dont nous avons parlé. Et maintenant, nous avons dit que nous nous sommes posé une question.
C'est quoi une famille selon le plan de Dieu? Et nous avons répondu en disant quoi que une famille selon le plan de Dieu est une famille équilibrée et une famille bénie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre cette vie des familles équilibrées, cette vie des familles bénies? Comment? Parce que on a juste parlé de famille équilibrée, famille bénie. Alors, dans quel sens avons-nous dit cela par rapport aux Saintes Écritures? D'abord, la première des choses, nous avons dans la Bible certains versets qui nous disent, comme dans Éphésiens 5, 22, où on nous dit que femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Ça, c'est dans Éphésiens 5, 22. Éphésiens 5, 25, suivez bien la chronologie. Éphésiens 5, 25 dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ça, c'est dans Éphésiens 5, 25. Dans Éphésiens 6, 1, j'espère que vous suivez la chronologie. Dans Éphésiens 6, 1, la Bible nous dit, enfants, obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Pourquoi j'ai insisté sur la chronologie? Parce que la Bible exprime certaines choses de différentes manières. On a commencé par la femme, et ensuite on a parlé de l'homme, et ensuite on a parlé deux enfants. Pourquoi la femme? Parce que souvent, on s'est dit, quand on parle de la vie courante, on voit toujours l'homme, la femme, les enfants. On s'est dit, c'est d'abord l'homme le maître, ensuite la femme et ensuite les enfants. Ben, pourquoi la Bible commence par la femme? La Bible commence par la femme parce que la même Bible nous dit, une femme sage bâtit sa maison. Et que la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ceci, c'est dans Proverbe 14. Oui, une vraie épouse, la femme dont parle la Bible, est celle qui a une grande responsabilité dans l'équilibre familial. Nous pouvons même le voir dans la vie de tous les jours. Souvent, nous, c'est la maman qui passe plus de temps avec les enfants. C'est vrai qu'il y a quand même, les enfants s'attachent par rapport à la psychologie. Il y a un complexe qui existe, le complexe d'Oedipe, qui fait en sorte que les enfants des sexes masculins ont toujours tendance à aller du côté de leur maman et les enfants du sexe féminin ont tendance à s'attacher plus à leur papa. Mais nous savons aussi que en général, les enfants se sentent un peu plus confortables avec leur maman par rapport au papa. Nous connaissons tous la douceur de maman, la compréhension qu'a la majorité de mamans, le grand cœur même que Dieu a donné à la femme de comprendre, le grand cœur de partager, le grand cœur d'avoir la compassion et particulièrement mère-enfant. Et le lien, ne l'oublions pas, le lien d'un enfant et une mère, c'est inexplicable. Parfois, ça va au-delà de ce lien qu'a un enfant à son père. Ces cordons ombilicaux-là qui nous relient avec nos mères depuis le ventre de nos mères, ces cordons-là nous communiquent déjà et nous met ensemble. Nous partageons beaucoup déjà avec nos mères dès le départ. Et ça commence non seulement dès la conception, mais la vie, la naissance, on grandit, on partage plus de temps, plus d'affection, plus avec nos mères. Ce n'est pas comme hasard. Ce n'est pas un hasard que c'était à la femme d'enfanter. Dieu savait qu'avec ça, déjà,
La femme avait une très très grande place dans une famille. La femme avait une très grande influence sur l'enfant qu'elle a gardé dans son sein. Elle a cette influence-là. Et puisqu'elle a le cœur que Dieu lui a donné, c'est quelqu'un qui joue un très grand rôle dans sa famille. C'est quelqu'un qui sait unir. C'est quelqu'un qui aussi, si elle se détruit, elle se décide de détruire, elle détruit. Si elle se décide de détruire, elle détruit vraiment. C'est pour dire que c'est elle d'abord le moteur de la famille. Quand on a une mère éduquée, comme on le dit, c'est éduquer toute une nation quand on éduque une seule femme. On sait pourquoi on dit cela, parce qu'on connaît l'influence qu'a une femme sur la société. Et de même aussi, quand on a une mère qui est insensée, on connaît tous les conséquences. Aujourd'hui, nous avons des enfants dans la rue. Ces enfants se retrouvent dans la rue. La majorité de cas, c'est quand parfois les parents décèdent. Ou soit les parents divorcés. Quand les parents sont divorcés, il y a déjà un déséquilibre au niveau de la famille. Facilement, les enfants se sentent plus en sécurité, les enfants ne se sentent plus en confiance, ne sachant pas réellement à qui se confier, ça devient une tâche très difficile, une tâche très lourde à accomplir, alors que si on était encore ensemble, c'était encore mieux, quoi, parce que le papa, maman coopèrent ensemble. Papa, maman savent se mettre ensemble pour se décider qu'est-ce qui est bien pour nos enfants. Mais quand on se sépare, ça devient un peu compliqué. Même quand, comme ici dans ces pays, on a quand même de garde, l'autre garde les enfants pour un temps, un moment, l'autre, on s'entend quand même, on s'appelle, on s'informe, on décide qu'est-ce qu'on doit faire pour le bien des enfants. Mais il y a toujours un déséquilibre, il y a toujours une différence. Alors, cette différence, ces déséquilibres emmènent certains enfants de se retrouver hors de la maison. Pour plusieurs raisons. Certains enfants qui ne se sentent plus. C'est la maison, mais ils ne se sentent plus à la maison, comme ça doit se passer. Ils se retrouvent. Ils préfèrent aller ailleurs, côtoyer des amis, avoir certains. Les amis de par les parents de leurs amis deviennent leurs parents. Donc, la rue devient leurs parents. Ils entendent ce qu'ils entendent à l'extérieur, cette éducation difficile qu'ils reçoivent de n'importe quelle manière, puisqu'on ne sait pas contrôler ça. Ça nous crée des enfants de plusieurs sortes. On a qui ont la chance, malgré ces déséquilibres dans la famille, ils s'en sortent. Il y en a qui, d'une manière, ils ont des problèmes psychologiques. Il y en a qui, finalement, ils se décident de se retrouver criminels. Il y en a qui se décident. Donc, ça affecte réellement. On ne voit pas facilement cet impact-là. Mais restons un peu, une minute, réfléchissons. Réfléchissons sur les déséquilibres que peut apporter une famille et principalement quand une mère ne joue pas son rôle de mère. La Bible place la femme dans Éphésiens en premier lieu parce que la femme a plus d'importance. Le rôle de la femme est plus grand. Et c'est comme ça, on demande d'abord à la femme, c'est elle le moteur. On demande à la femme d'être soumise parce qu'une femme soumise, c'est une femme qui est censée, une femme qui c'est tenir son ménage. Une femme qui peut sauver sa famille. Une femme qui peut nous aider à ne pas retrouver autant d'enfants dans la rue. Une femme qui peut nous aider à ne pas avoir mal quand on voit un enfant dormir dans la rue. Quand on voit un enfant abandonné. Quand on voit un enfant vendre de l'eau alors que il est 9h du matin. Normalement, cet enfant-là devrait se retrouver à l'école. Ici, nous parlons d'abord de facteur famille. C'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs qui influencent, mais nous parlons d'abord facteur famille et nous parlons du rôle de la femme.
Quel genre de femme es-tu? Pose-toi la question. Quel genre de femme es-tu pour tes enfants? Quel genre de femme es-tu pour ton mari? Quel genre de femme es-tu pour la société dans laquelle nous vivons? Pose-toi la question, c'est quoi ma part? Est-ce que je remplis bien mon rôle? Nous ne sommes pas tous parfaits, mais on essaye de vivre, on essaie de s'adapter et de faire mieux les choses. Un peu mieux même s'il faut le dire. Alors pose-toi la question, si tu fais déjà de ton mieux pour essayer d'atteindre cette perfection-là, pose-toi la question, femme, tu as un rôle très important dans l'éducation de la masse, dans l'éducation de la société, dans l'éducation de tes enfants. Décidons-nous à éduquer nos enfants comme il faut. Décidons-nous à vivre, à dédier nos vies pour nos enfants. Il y a de ces mamans qui ne sont même plus heureuses dans leur couple. Mais puisque les enfants sont là, parfois elles préfèrent se sacrifier pour le bonheur des enfants. Elles se sacrifient, elles préfèrent sacrifier sa vie, mais elle évite que ses enfants se retrouvent dans la rue. Elle évite qu'on traite ses enfants de sorciers quelque part. Elle évite ça, elle préfère rester. Elle préfère rester et éduquer ses enfants. Elle est peut-être influencée par le monde extérieur aussi. Elle veut vivre, elle veut faire sa vie, elle veut être ceci, elle veut être cela. Mais quelque part, elle se souvient, elle dit non, j'ai un rôle à jouer, j'ai une famille à entretenir, j'ai un rôle très important à jouer. Elle préfère se concentrer sur sa famille. Vous allez voir des gens que nous connaissons, la majorité, sortent de famille où quand vous regardez la maman, vous lui donnez autant de respect. Vous vous dites, non, cette femme, elle a mérité. Cette femme, elle s'est battue pour en arriver là. Elle n'a pas été parfaite, mais elle a fait de son mieux. Si aujourd'hui, on se décide, nous, femmes, de faire de notre mieux pour sauver notre famille, nous allons sauver le monde d'aujourd'hui. Nous allons éviter d'avoir des enfants dans la rue. Nous allons éviter de faire mal aux autres. Nous allons nous mettre nous-mêmes en sécurité. Nous allons vivre le bonheur. Nous allons vivre l'équilibre que Dieu nous demande. Il nous dit, vivez selon le plan que moi j'ai de la famille. Si vous suivez ces plans-là, vous allez vivre en équilibre. Vous serez béni. Vous serez béni. Et qu'est-ce qu'il nous dit après? Il nous donne la chronologie. Il commence par la femme. Il nous fait voir le rôle que joue la femme. La femme regarde, toi, tu es là. Tu es le noyau, tu es la base, tu es le moteur. Et la Bible nous demande que cette femme soit sage, parce qu'avec ça, elle va bâtir sa maison. Et si elle est insensée, elle va la renverser elle-même de ses propres mains. Et femme, posons-nous la question si c'est le cas avec nous. Évitons d'être égoïstes. Ces enfants ne vous ont même pas demandé de venir dans la vie. Ils n'ont pas demandé ça. Vous les appelez à vivre et maintenant, est-ce que vous jouez votre rôle en tant que femme? Est-ce que vous jouez votre rôle? Pour nous donner des innocents comme ça, dans la rue, en train de chercher quoi manger? Pendant qu'il y a eu une mère qui a donné naissance, on peut encore comprendre quand la mère est décédée, les membres de famille et tout, et qu'on sort surtout en Afrique, on peut encore comprendre. Mais quand tu es vivante, maman, ton enfant que tu as gardé 9 mois, cet enfant-là vraiment, comment tu te sens? La maman, c'est elle avec qui on reste à la maison. C'est elle qui nous fait faire nos devoirs. C'est elle qui nous apprend à lire. C'est elle qui nous apprend à écrire. C'est elle qui prépare pour nous. C'est elle qui nous couvre quand on dort. C'est elle qui devient l'infirmière quand on est malade. C'est elle qui... Elle est tout. La maman, elle est tout. Elle joue tout le rôle d'infirmière, des médecins, d'avocates. Elle joue tout le rôle. C'est elle la cuisinière de la maison. C'est elle la... Elle est tout. La maman, mère, vous avez un rôle très important. Si on a eu des poètes qui ont eu à nous faire des poèmes comme « À ma mère, femme noire, femme africaine, oh toi ma mère, je pense à toi », c'est parce que c'était un enfant. Kamara Ley n'a pas écrit ses poèmes pour écrire. Il a juste exprimé ce qu'il a eu comme vécu. Mère, quel vécu tu donnes à ton enfant? Quel vécu? Donnes-tu un vécu à ton enfant?
qu'un jour, quand tu n'es pas là, cet enfant-là se souviendra de toi, positivement. Quel vécu tu donnes à la société qu'un jour, on pourra dire que cette femme-là a eu à changer quelque chose positivement? Pose-toi la question. Pose-toi la question si tu feras de ton enfant un poème un jour, un poète un jour plutôt. C'est dire non, ma mère, ma mère, ma mère, ma mère. Femme, la Bible t'aimait en première position. Ton rôle est très, très, très capital. Ne l'oublie jamais. Ensuite, la Bible nous parle de l'homme en disant, Marie, aimez vos femmes. On a parlé de la femme et maintenant la Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes. Pourquoi la Bible nous dit ça? Parce qu'une épouse qui jouit d'une telle attention de son mari fera le bonheur de ces mêmes maris-là. Fera le bonheur de ses mêmes maris. Et pourquoi elle va faire le bonheur de ses maris? Parce qu'elle veut juste garder sa place. Elle se sent à l'aise. Elle se sent dans sa peau. Quelqu'un est là juste pour l'aimer. Et on sait qu'on parle d'aimer, tout ce que ça implique. Parce que si même Dieu nous dit, c'est le premier commandement, il sait qu'est-ce que l'amour apporte. L'amour apporte la paix. L'amour apporte la joie, l'amour apporte le bonheur, l'amour apporte la bénédiction, l'amour apporte l'équilibre, l'amour apporte tout ce qui est de beau et de bien. Et une femme qui se retrouve avec un homme qui l'aime vraiment, une femme qui joue bien son rôle, je parle de la femme sage, je ne parle pas de la femme insensée, parce qu'on a déjà parlé d'elle, je ne veux plus répéter, cette femme sage-là, elle se retrouve maintenant. Pour voir la chronologie de la Bible, hein? Femme sage. Suivi de mari aimé, vos femmes sages là. Posez-vous la question. Bombe, explosion. Une femme sage aimée par son mari. Elle fera tout pour garder sa maison. Elle fera tout pour bien jouer son rôle. Elle fera tout pour plaire à son mari. En plaisant à son mari, entre autres, en éduquant les enfants comme il faut. En étant là pour les enfants. En faisant ce qu'une maman doit faire. Donc les maris... C'est vrai que la femme est le moteur, mais vous, vous êtes les carburants qui fait fonctionner cette voiture. Vous êtes ces courants-là qui fait tourner le moteur. Alors, pour que cette femme-là, ces moteurs-là fonctionnent bien, il faut qu'il y ait cette huile-là, il faut qu'il y ait cette électricité-là, il faut qu'il y ait ces courants-là qui proviennent de toi, l'homme, pour bien faire fonctionner le moteur qui est la femme. Marie, joues-tu ton rôle? Ou tu es là juste en train de te plaindre que ma femme ne fait pas ceci, ma femme ne fait pas cela. Mais qu'est-ce que toi tu as fait pour faire fonctionner le moteur? Qu'est-ce que toi tu fais pour que ta femme fasse ce que toi tu veux? Joues-tu ton rôle de mari? Joues-tu ton rôle de papa? Est-ce que tu le fais bien? Tu n'es pas parfait. Nous ne sommes tous pas parfaits. Mais est-ce que tu essayes d'être parfait? Est-ce que tu essayes? Est-ce que tu donnes de ton mieux pour l'être? Pose-toi la question. Parce que si il y a un déséquilibre dans la famille, d'abord, il faut essayer de planifier ça. Est-ce que moi, la femme, je joue mon rôle? Est-ce que moi, le mari aussi, je joue mon rôle? Parce que si ce n'est pas le cas, le déséquilibre, c'est le déséquilibre qui survient. Alors, ne vous plaignez pas d'abord. Posez-vous la question, est-ce que vous jouez votre rôle? La femme en premier lieu, l'homme ensuite. Et ça ne s'arrête pas là. Viens les enfants après. Parce que dans Éphésiens, selon cette chronologie, en troisième position, on nous parle des enfants où on nous dit « L'obéissance aux parents est une source de bénédiction. » Une source de bénédiction pour les enfants. Ainsi, un fils sage fait la joie d'un père. Et un fils insensé, le chagrin de sa mère. Parce que nos mamans sont tellement sensibles. Quand elle accouche, elle a un enfant têtu. Quand on l'envoie, l'enfant dit « je ne veux pas ». Ça fait mal à la mère qui t'a transplanté 9 mois. Quand la maman, l'enfant, il n'a même pas le souci de ses parents. Il s'en fout. Même quand les parents sont malades, il n'est pas là. Même quand on a besoin de lui pour un service, l'enfant dit non. L'enfant qui ne sait pas obéir, l'enfant qui n'est pas là pour sa famille. Alors vous vous attendez que
Il y a un équilibre dans cette famille? Non. Et cet enfant, tu ne seras pas béni parce que la Bible nous dit cet enfant qui obéit à ses parents, c'est un enfant béni. Toi, l'enfant, là, est-ce que tu joues ton rôle? Nous, dans Estrée, là, c'est une des choses. Nous éduquons nos enfants aussi dans ces sens-là. Un enfant doit être obéissant à ses parents, à ses tuteurs, à ses responsables. Parce que ce n'est pas seulement pour ces responsables-là, mais c'est aussi pour ton intérêt. C'est toi qui seras béni. C'est pour ta vie. Chez nous, il y a un adage qui dit, un enfant qui est toujours là, un enfant serviable, on envoie à gauche, il part, on envoie à droite, il part. Cet enfant-là ne manque jamais à manger. Parce que on va le voisin t'appelle, hey, petit, viens, va m'acheter un peu du pain. Tu vas, tu achètes du pain, tu ramènes la monnaie. Tu dis, non, tu peux garder la monnaie. Ou, oh, petit, viens, on va partager ces pains. Parce qu'on sent que non, cet enfant, ça donne de la joie, comme la Bible le dit, que cet enfant qui est docile fait la joie d'un père. Parce on sent que, oh non, cet enfant, oh, waouh. Et à ce moment-là, tu verras que tu seras béni. Mais quand tu ne le fais pas, tu fais surtout mal à ta maman. Quand je parle de maman, c'est pas seulement celle qui t'a accouché, aux femmes en général. Parce que nous, on est plus sensibles que les hommes, hein, que le papa. Les papas, parfois, ils s'en foutent. Ils disent, oh, si cet enfant ne veut pas comprendre, ben, ça c'est lui. Hein. Ce sont les papas. Mais les mamans, elles se dérangent. Pourquoi? 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 Cet enfant, pourquoi tu fais ça? Je ne t'ai pas élevé comme ça. Je n'ai pas voulu ça. Alors, ça aussi. Les enfants doivent être éduqués dans ces sens-là. Apprenez à vos enfants, l'enfant doit savoir qu'il a aussi un rôle à jouer dans la maison, qu'on attend de lui cette obéissance-là. Et dans tout ce que je venais de dire, si nous suivons cette chronologie comme il faut, nous allons vivre cette famille selon le plan de Dieu. Nous allons vivre cette famille selon le plan de Dieu et nous allons expérimenter l'équilibre dont nous parle la Bible et les bénédictions dont nous parle la Bible. Mais cela ne s'arrête pas là. Nous disons aussi que les parents ne doivent pas irriter leurs enfants ou les maltraiter. Parce que nous connaissons la réalité. Ils ne doivent pas irriter leurs enfants ni les maltraiter. Mais au contraire, les élever en le corrigeant. En les corrigeant et en les instruisant selon les Seigneurs. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Les parents qui. Donc, pour eux, l'éducation, c'est taper en désordre, quoi. L'éducation, c'est l'autorité mal placée. Hé, toi, viens ici! On insulte même l'enfant. On traumatise l'enfant. Et vous attendez à quoi? Quand vous traitez les enfants de cette manière-là, vous vous attendez à quoi? Parce que parents-enfants, la Bible nous demande d'instruire les enfants, de corriger les enfants. Quand l'enfant fait du mal, on te demande de corriger l'enfant et de l'instruire selon les Seigneurs. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit de faire? Le Seigneur nous dit de corriger. Corriger dans le bon sens. On n'interdit pas de frapper, mais comment? On n'interdit pas de punir, mais de quelle manière? Alors, faites-le avec amour, chers parents. Faites-les avec amour, corrigez vos enfants avec amour, corrigez vos enfants comme la Bible nous demande, donc avec amour, instruisez vos enfants avec amour. Vous allez voir que même l'enfant comprendra que ce que je viens de faire, c'est une bêtise. Mais en même temps, l'enfant comprend que si on m'a puni, c'est pour que je change, parce que mes parents même, on m'a pas maltraité par cette punition. Non, on a fait ça pour que j'arrête ce que je fais, parce que ces parents-là veulent me voir une bonne personne demain. Il faut que ça soit comme ça. Quand vous punissez vos enfants, quand vous instruisez vos enfants, comment vous les faites? Est-ce que vous êtes sûr que pour vos enfants, ils gardent cette leçon-là? Que ce qu'on vient de me faire là, ce n'est pas parce qu'on ne m'aime pas. Ce n'est pas parce qu'on me maltraite. Mais c'est parce qu'on veut mon bien. On le voit avec les belles-mères. On le voit. Oh, j'ai corrigé cet enfant. Tu as corrigé l'enfant en insultant? En tabassant l'enfant comme si c'était un animal, en laissant l'enfant affamé pendant 2 jours, même si la bêtise, cet enfant-là a, je ne sais pas quel genre de bêtise l'enfant a commise. Vous pensez vraiment que c'est ça la manière qu'il faut éduquer, la manière qu'il faut corriger l'enfant? Posez-vous juste la question, si c'était votre propre enfant-là, vous allez faire la même chose? Non. Parce que votre enfant, vous l'aimez. Vous aimez votre enfant.
Vous n'allez pas laisser votre enfant faire la bêtise, vous allez corriger votre enfant, mais avec amour. Alors, parents, est-ce que vous corrigez vos enfants comme la Bible nous demande de le faire? Parce que la même Bible nous dit, instruis l'enfant sur la voie qu'il devra suivre. Et quand il sera vieux, il s'en détournera pas. Ça, c'est la Bible qui nous parle de cela dans Proverbe 22:6. Parents, la manière dont vous corrigez vos enfants, la manière dont vous pensez instruire vos enfants, faites-vous ça par amour. D'une manière qu'aujourd'hui, même quand vous ne serez plus autour de votre enfant, l'enfant ne va pas se détourner de ce chemin. Aujourd'hui, certains parents pensent que la force ou l'autorité, c'est ce qui fera que l'enfant marche sur le droit chemin. Non, c'est faux. Parce que ça, c'est l'éducation qui ressemble à un vernis. Cette éducation qui peut s'enlever avec le temps. Ou dès que l'enfant se sent, ok, le chat n'est plus, la souris danse. Automatiquement, l'enfant devient hypocrite, l'enfant fait semblant quand tu es là. Alors, c'est cet enfant-là que vous voulez éduquer, un enfant qui marche sur le droit chemin quand vous n'êtes pas là, et à votre absence, l'enfant sait, fait ce qu'il veut. Posez-vous cette question. D'où le parent, on en parlera plus tard, doivent collaborer. Les parents doivent faire ce que nous allons parler dans notre vidéo suivante, les recommandations qu'il faut pour mieux faire en sorte que nos familles vivent en équilibre, que nos familles expérimentent les bénédictions d'une famille qui vit selon le plan de Dieu. C'est ce que nous allons parler dans notre vidéo suivante. Nous allons parler des recommandations d'un couple chrétien, d'une famille chrétienne. Parce que ici, nous avons utilisé la Bible comme notre constitution pour nous montrer le modèle que Dieu a voulu que la famille soit. La Bible contient tout. La Bible nous a montré l'importance de la famille. La Bible vient nous montrer le rôle que joue chacun et même la chronologie, la place de chaque personne. Et la même Bible nous donnera les recommandations pour faire en sorte que l'on puisse vivre selon le plan de Dieu et bénéficier, jouir de fruits qui viennent, qui s'ensuit entre autres, les bénédictions et l'équilibre. Alors, chers frères et sœurs, merci pour votre temps. Merci pour vos contributions. Merci pour vos apports. Que notre Dieu vous bénisse. Nous vous disons merci de la part d'Estrella. Merci pour votre temps. Et voilà, on aura une autre vidéo juste sur la famille encore une fois, puisqu'on n'a pas fini, on a encore à dire là-dessus. Alors voilà, à la prochaine occasion, et nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux-là qui sont nés aujourd'hui, ou mariés, ou même pendant le mois de janvier. N'oubliez pas, vous ne vous mariez pas seulement charnellement, vous vous mariez aussi spirituellement. Alors pensez-y et on en parlera. On reviendra sur les recommandations. Qu'est-ce que nous pensons bien selon la Bible faire pour vivre une famille épanouie et équilibrée. Alors, nos contacts, nous avons notre page Facebook qui contient plusieurs informations. Mais si cela ne convient pas, vous pouvez toujours nous contacter sur notre WhatsApp qui est le +1 773 230 80 31. +1 773 230 80 31. Notre page Facebook, aimez, partagez la page. Partager nos vidéos, comme ça on va essayer de conscientiser le plus de monde et chacun de nous va apporter son apport d'une manière ou d'une autre, puisqu'on a tous besoin de quelque chose venant de quelqu'un. Alors nous n'avons pas le monopole de la connaissance, on a besoin que chacun de nous apporte un plus. Alors nous sommes ouverts, partager avec les autres. On ne demande pas de partager, c'est la simple de choses pour laisser les autres aussi informés. Ne laissez pas les ignorants quelque part souffrir de cette ignorance là, parce que ça va nous revenir, nous allons en pâtir aussi, soyez-en sûrs. Alors notre page Instagram Estrella Foundation One, notre page Facebook Estrella Foundation One, notre chaîne YouTube Estrella Foundation TV.
Alors, merci encore une fois et bonne soirée ou bonne journée chez vous. Et à la prochaine occasion, mes salutations à tout le monde, à vous tous qui ont eu pris de votre temps pour nous suivre, à ceux-là qui nous soutiennent, à nos enfants, à ceux-là qui nous connaissent. En tout cas, nos salutations à tout le monde. Je vois la Lorraine Makiese, je vois Florence Malou, je vois la famille Kanda, la famille Kirongozi, la famille Mwamba, la famille Abimana, tout le monde, amis, connaissances, partenaires et tout le monde, nos salutations et encore une fois, nos meilleurs vœux. Ouvrez vos cœurs, posez-vous la question, votre place c'est quoi? Votre rôle c'est quoi? Remplissez-vous votre rôle? Et si l'autre ne remplit pas son rôle, suis-je pas la cause? Que ça soit comme un examen pour nous à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup et au revoir.